Donc là, on a reçu un appel en urgence par nos confrères neurologues pour un patient de 90 ans qui a présenté ce matin brutalement une hémiparésie, une hémiplégie du côté gauche. Et donc on a fait une imagerie en urgence qui permet de visualiser un thrombus au niveau de l'artère cérébrale moyenne droite, assez proximale, c'est-à-dire un gros vaisseau qui est occlus et une grosse partie du cerveau qui est en danger. Et au scanner, on voit qu'il y a une artère sylvienne, donc l'artère cérébrale moyenne droite qui est toute blanche ici. C'est un signe d'un probable thrombus sur l'examen qui est juste non injecté comme ça. Et ça se confirme sur l'examen qui est injecté. Donc là, on voit les artères avec le produit de contraste et le produit de contraste qui s'arrête complètement ici. Donc il y a un thrombus à ce niveau-là. Et pour ce genre de lésion, on sait que ça peut être très bénéfique de recanaliser pour éviter une aggravation d'un infarctus qui s'agrandit. On fait des études un peu approfondies de perfusion où on voit sur cette carte que toute cette partie du cerveau est en danger de mourir à cause de ce thrombus. Et on compare ça à une imagerie qui nous permet de regarder déjà les endroits qui sont irrécupérables, qui sont un peu plus foncé de ce côté, mais cette région-là. Et la différence entre les deux régions, c'est ce qu'on appelle la pénombre, c'est la région qu'on peut donc sauver avec une recanalisation. La médication, en général, ça ne marche pas assez bien pour ce genre d'occlusion, et du coup, on fait un geste mécanique avec un cathéter d'aspiration ou un petit stent pour recanaliser ce genre d'occlusion pour permettre la récupération du patient. Bonjour monsieur. Tout va bien, hein, on va essayer de déboucher cette artère là dans votre tête. D'accord, petit geste où on vous fait une petite piqûre au niveau du pli de laine, d'accord? Vous allez ça pas sentir grand chose. Ne bougez pas monsieur. Je prends des cathés à ballon. Avec un ballon que tu peux gonfler pour boucher l'artère quand tu fais le retrait, pour pas avoir du flux intégral. Ouais. Le cathéter qui permettra de rentrer dans l'artère. C'est de l'eau? Bah, c'est de l'eau dedans. Ouais. C'est ce qu'on fait là avec une petite rotation sur la sonde. Prends le guide, mets-le dans le S. Non, pardon. On va mettre le micro, on va prendre le phénom, s'il te plaît. Je suis là avec Dr Arsane, qui est expert de sa génération dans ce genre de gestes. Le micro-guide. Donc là, on a fait un premier passage de thromboaspiration qui a permis de recanaliser déjà la branche qui est la plus grosse. Mais sur les images, on voit qu'il y a un bout de thrombus qui est logé plus loin dans une branche qu'on appelle M2 ou une branche de division où l'accès est un peu plus délicat. Donc ce qu'on va faire, c'est un microcathétérisme de cette branche et on va normalement déployer, si on arrive bien à accéder à cette artère, un stent retriever. C'est un petit ressort en métal qui agit comme épuisette pour retirer ce morceau. Donc c'est une technique combinée où on fait quand même une aspiration aussi par le cathéter d'aspiration concomitant avec le retrait du stent retriever. Ça permet une double action pour sécuriser le bout de caillot qui est logé au retrait pour vraiment pas perdre de morceaux, parce que c'est à éviter de perdre des petits morceaux qui s'envolent après dans des toutes petites branches plus distales, c'est-à-dire plus loin, auxquelles on ne peut plus accéder. Voilà, donc on a terminé la procédure avec deux passages mécaniques de thrombectomie, c'est-à-dire une thromboaspiration pour la première phase et avec un caillot qui était encore plus loin après celle-ci,
avec un stent retriever qui sert comme petite épuisette pour enlever le caillot. En fin de procédure, on a une recanalisation qui est tout à fait satisfaisante avec cependant une petite branche qui est bouchée en distalité. Mais à savoir, le patient elle a aussi reçu un médicament qui fluidifie le sang beaucoup. Donc on peut bien espérer que ce caillot résiduel va aussi se dissoudre avec le temps. Et donc il a toutes les chances de bien récupérer après cet épisode.